Après 35 ans d'absence, Alpine fait son grand retour en compétition. Officiellement nommée Alpine A450, elle défendra ses couleurs aux Européennes Le Mans Series ainsi qu'aux 24 Heures du Mans. 22 mars 2013, l'atelier Renault se prépare à vivre un grand événement, la renaissance d'Alpine en endurance. Alors que la marque prévoit la commercialisation d'une voiture de série en 2016, c'est d'abord sportivement que la légende renaît. Enfin dévoilée, l'Alpine portera le numéro 36. Pour l'épreuve mythique des 24 heures du Mans, l'équipe Signatec Alpine s'engage en LMP2, une catégorie où il y a beaucoup d'inscrits et où la concurrence fait rage. Équipée d'un moteur V8 Nissan de 500 chevaux, elle pourra atteindre une vitesse de pointe de 330 km/h. Au volant, trois pilotes se succéderont. Pierre Ragg, 6 participations au Mans au compteur. Nelson Panciatici, membre de l'équipe Signatec Nissan en 2012 en endurance. Et Tristan Gomondi, 3 participations au Mans. Trois pilotes, 24 heures, un seul défi, renouer avec le glorieux passé de la marque, vainqueur au Mans en 1978. C'est une continuité sur tout ce qui a été fait avant et c'est à nous de le faire revivre au niveau sportif. Notre objectif derrière ça, c'est de réinstaller très fortement, très solidement la marque Alpine. Et Le Mans, pour ça, est quelque chose d'extraordinaire. Hein. 600 millions de téléspectateurs, c'est un des 4 plus grands événements sportifs mondiaux. Donc on peut s'adresser à tous nos futurs clients et qu'ils comprennent bien ce qu'est une Alpine. 26 mars, circuit Paul Ricard au Castellet. Les regards se tendent pour les premiers tours de roue de l'Alpine. L'heure est au dernier réglage. 4 ingénieurs travaillent d'un seul corps sur le prototype. Objectif de ces essais, anticiper les failles et tester tous les systèmes. Alors que l'Alpine revêt ses habits de lumière, elle quitte la pit lane pour retrouver, impatiente, le plaisir de la piste. Ce ne sont pas moins de 1500 km qu'Alpine va parcourir en 2 jours pour la mise au point. Mais ce qui est crucial pour l'épreuve des 24 heures du Mans, c'est le choix des pneumatiques, une combinaison stratégique qui va influer sur les performances de la voiture. On doit valider et être certain de nos choix dès maintenant. Le point clé, on va dire, cette saison, pour nous, ça va être les pneumatiques où il va falloir gérer l'usure. Dans le cadre de l'endurance, il y a l'aspect perfo pur, parce que ça reste de la course, donc il faut aller vite, ça, on est tous d'accord. Et l'aspect endurance, où l'objectif, c'est d'être capable de rouler le plus longtemps possible sans changer les pneus. Changer les pneus, c'est 40 secondes à chaque arrêt. On a 3 types de pneus à définir pour Le Mans et donc il faut trouver le meilleur compromis possible par des températures plus ou moins fraîches. Voilà, on sait que la nuit, il peut faire aux 24 heures, même en juin au Mans, il peut faire 5 degrés. Mais c'est avant tout un travail d'équipe qui attend Pierre, Nelson et Tristan. Une même voiture pour 3 pilotes, ça demande un peu d'organisation. Ils devront donc se mettre d'accord, le même baquet, le même volant, les mêmes paramètres de course, les mêmes pneus. Durant 24 heures, sur l'épreuve mythique du Mans, ils devront tout partager. Une collaboration qui a renforcé les liens entre les 3 hommes. Le Mans, faut être clair, c'est la plus grande course au monde. Ça représente une énorme aventure humaine, nous en interne. Et sportivement, c'est une épreuve extrêmement difficile. Il faut que toute l'équipe soit bien soudée, bien formée pour pouvoir faire un bon résultat. Quand le TC est en route, ça vient me refuser un rapport. Au niveau du setup, on n'aura pas un gros souci, en tout cas de trouver un setup qui puisse convenir aux 3 pilotes. Ce qui est important forcément, c'est quand même la relation humaine qu'on a. Il y a un état d'esprit et on va essayer de garder celui d'Alpine. La clé de la réussite en endurance, c'est que les individualités doivent se mettre de côté et on doit réussir à faire qu'il y ait un collectif. Et là, avec les 3 pilotes que j'ai, je sais que l'une de nos forces, ça sera ce collectif qui va se mettre en place. Un travail collectif qui a porté ses fruits puisqu'Alpine réalise les meilleurs chronos de cette séance d'essai grandeur nature. Des tests de nuit ont même été effectués. Des résultats prometteurs, conformes à la réputation de Signatec qui conduit ce projet, puisque l'équipe a terminé deuxième des 24 heures du Mans en 2011 dans la catégorie LMP2.
une équipe professionnelle et talentueuse pour l'Alpine. Il y a une attente très forte et c'est une vraie émotion dans le cœur des passionnés en France. On va avoir la pression, c'est sûr, parce qu'on va être beaucoup regardé, mais ça va être une pression positive, ça va nous donner envie de faire des bons résultats. C'est une bonne nouvelle qu'on soit attendu, ça veut dire qu'on mérite l'attention et on va essayer de porter ce lourd héritage et d'être au niveau.